Bonjour Ellie. C'est une belle journée pour faire un pique-nique. Tu es bien installée? Oh, dommage. Je crois que j'entends le tonnerre. À ta place, je remballerai vite mes affaires, sinon elles vont être mouillées. Oh, mais ceci n'était pas le tonnerre. C'était simplement Patou qui jouait du tambour. Ah, tu es à nouveau bien installé. Oh, s'il vous plaît, les enfants, dites à Ellie quel objet ou quelle personne manque. La poupée d'Ellie n'est pas là. Allons, du calme, inutile de s'affoler. Je suis sûr que ta poupée n'est pas loin. La dernière fois que tu l'as vue, c'était où? Ellie! Oh, voyons, tu ne crois tout de même pas que c'est Pato qui a pris ta poupée? Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas, Pato? Tu vois? Ellie, ce n'est pas très gentil ce que tu fais. Mais enfin, ce n'est pas Dodo l'oiseau qui a pris ta poupée! Ellie, cette fois tu vas vraiment trop loin! Réfléchis deux minutes. La petite chenille ne t'a pas pris ta poupée, c'est évident! Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Ellie, s'il te plaît, arrête de pleurer. Elle est triste parce qu'elle a perdu sa poupée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu crois que tu peux aider Ellie? Qu'est-ce que c'est que ça? Détective Pocoyo. Oh, je comprends. C'est sûrement le bureau de Pocoyo, le détective. Assise. Je t'explique ce que Ellie essaie de te dire. Elle a besoin que quelqu'un l'aide à retrouver sa poupée. Moi, trouve. J'ai l'impression que notre super détective est en train de chercher des suspects. Ça m'étonnerait que Pato ait pris la poupée. Nous étions là. On l'aurait vu. Vous? Je crois que Pocoyo aimerait savoir si l'un de vous, les enfants, a pris la poupée. Non! Non, Pocoyo! Notre super Pocoyo est sur la piste d'un nouveau suspect. Pas encore. Sois raisonnable, Ellie. Laisse le détective faire son enquête. Ça prend du temps de retrouver des poupées disparues. Pocoyo le détective est retourné examiner la scène du crime.
Ellie se demande si tu as trouvé des indices. Oh, regarde, Ellie! C'est ta poupée! Non, non, mais elle est vraiment là! S'il vous plaît, les enfants, dites à Ellie où est sa poupée! Tu as dû la mettre dans ton sac à dos quand tu as entendu le tonnerre et cru qu'il allait pleuvoir. Monsieur le détective, Ellie dit que tu peux arrêter de chercher. Eh oui, le mystère est résolu. Non. Non? Ah bon? Il y a quelque chose dans l'attitude d'Ellie qui semble bizarre. Enfin, c'est ce que pense notre détective. Tiens. Ellie avait sa poupée dans son sac depuis le début. Le détective a raison. Tu devrais aller demander pardon à tes amis, Ellie. C'est vraiment une belle journée pour pique-niquer et résoudre des mystères. Un grand bravo pour Pocoyo le détective. Au revoir et à bientôt.